En ce dernier jour d'émission, nous vous proposons donc une découverte, celle du parc animalier de Sainte-Croix. Pour en parler, je rejoins Clément Leroux, directeur de la communication du parc animalier. Bonjour. Bonjour Cécile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de quand date ce parc et d'où est partie l'idée de le créer pour commencer? Alors, l'idée a germé dans les années 70. C'est Gérald et Liliane Singer qui sont des passionnés de faune européenne, passionnés de notre territoire, agriculteurs, Gérald et également chasseurs. Et en 1980, il va ouvrir pour la première fois au public un parc de vision. C'est un parc qui présente des très grands espaces de la faune européenne, de la faune patrimoniale. Et les premiers animaux qui seront présents à Sainte-Croix, c'était des cerfs qui venaient du château de Chambord, qui ont été relâchés sur environ 35 hectares de superficie. Et puis, l'idée était de présenter les animaux qui vivaient dans nos forêts à nos enfants, puisque les enfants connaissaient bien la différence entre un lion ou un tigre, mais ne connaissaient pas ou peu la différence entre un cerf et un chevreuil, par exemple. Et c'était de mettre vraiment à l'honneur cette faune patrimoniale qu'on oublie. Une faune de proximité. Une faune de proximité qui vit vraiment à côté de chez nous et qu'on avait complètement oubliée. Et de faire un lieu dédié à l'harmonie entre l'homme et l'animal, une sorte de jardin d'Éden, c'est-à-dire que ici, l'homme pourrait se reconnecter à la nature, c'est un lieu d'éducation à l'environnement, mais par l'expérience et par le contact avec les animaux. Alors aujourd'hui, c'est un parc de 120 hectares qui accueille quelques 300 000 visiteurs par an. Vous nous avez parlé de cette faune patrimoniale qui s'est quand même bien agrandie. Hein. On est loin de voir que des cerfs au parc. Alors c'est vrai qu'en 1980, c'était un parc dédié à la faune européenne et ce parc-là s'est développé au fur et à mesure du temps. Il a 37 ans maintenant. Et depuis 2010, on a un sensé dédié à la biodiversité mondiale. En fait, les animaux et la nature, il y a des interactions dans la planète entière. On ne peut pas uniquement effectivement protéger ou présenter ce que l'on a à côté de chez nous, mais on est obligé de parler de biodiversité et à l'échelle mondiale. Et depuis 2010, on a dédié un sentier aux ambassadeurs de la biodiversité mondiale, avec notamment des pandas, des lémuriens, des gibbons, qui est la nouveauté de cette année. Les fameux, l'emblème du parc. Un des emblèmes du parc, même si l'emblème du parc, ça reste. Et je pense que ça restera le loup ou les grands animaux européens tels que l'ours, le lynx ou le cerf. Alors justement, le loup, les loups en tout cas ont l'air de plutôt bien se porter au parc, puisque des naissances ont eu lieu récemment au sein de la meute des loups gris. 5 louveteaux immédiatement pucés, comme nous l'expliquent Christophe Gaumont et Sébastien Roch, qui ont suivi cette opération récemment. Ils sont partis avec de grands filets de pêche. Quelques petits instants plus tard, les équipes du parc animalier sont de retour avec dans leurs bras de tout jeunes louveteaux gris d'Europe. 5 au total, nés en ce printemps 2017. En quelques gestes précis, les vétérinaires effectuent le puçage de ces bébés loups qui pèsent de 2,5 kg à 4 kg. On a vérifié que l'animal allait bien, qu'il n'avait pas de problème de santé. Donc là, c'est un petit louveteau qui est en bonne santé, un peu stressé. On voit qu'il tremble. Et donc ensuite, on va le pucer, l'identifier. Donc c'est lui mettre un petit transpondeur électronique à la taille d'un grain de riz. Donc ce qui va permettre de l'identifier et de le suivre pendant tout le long de sa vie. Une opération de puçage obligatoire, mais stressante pour la meute. Parfaitement rodés à ce genre d'exercice qui ne prend que quelques minutes au total, les équipes du parc sont très prudentes pour éviter tout incident, même si à Sainte-Croix, les loups ont l'habitude de côtoyer les humains. Les loups ont très très peur de l'homme, même si ceux-ci sont habitués à avoir des visiteurs tous les jours, avoir des soigneurs qui rentrent dans l'enclos 3-4 fois par semaine pour rentrer. Ils ont quand même cette peur instinctive de l'homme qui est quand même assez présente et très prenante. Donc ils restent à distance, ils observent de loin, ils stressent, ils tournent autour et généralement ils ne s'approchent vraiment pas, ils n'essaient pas de défendre les petits. À la fin de l'opération de puçage qui permet d'assurer une sorte de traçabilité de l'animal, les louveteaux sont redéposés dans la tanière. La vie de la meute peut alors reprendre son cours normal. Alors comment est-ce qu'ils se portent, ces louveteaux? Ils se portent très bien. Donc ils vont grandir tout au fur et à mesure de l'été. Donc dès l'automne déjà, ils vont déjà avoir une taille assez grande. Alors ils n'ont pas la taille adulte, mais ils auront une taille de grand adolescent. Donc là, la chance d'avoir pu les observer au bout d'un mois de naissance, donc vous avez vu sur la vidéo où ils sont encore assez petits. Il faut imaginer qu'à la naissance, ils naissent dans une tanière, sourds, aveugles, ils n'ont pas de contact avec la lumière et c'est uniquement les individus de la meute qui vont aller les surveiller au fur et à mesure. Et cette opération du puçage, elle a lieu un mois après leur naissance, c'est une obligation sanitaire de leur intégrer un transpondeur électronique qui va les suivre toute leur vie. C'est une sorte de pédigré. Et il faut savoir que c'est l'association du parc de Sainte-Croix qui gère le fichier loup
pour au compte de l'État français, qui recense l'ensemble des loups en captivité en France. Justement, il y a une surveillance particulière, là bon, on en parle pour les loups, mais pour d'autres espèces du parc, il y a une vigilance particulière pour certains animaux ? Alors, la période des naissances, c'est une période d'observation, c'est une période effectivement aussi où l'on va être encore plus au contact des animaux, au contact visuel, pour s'assurer que tout se passe bien. Chez nous, on a le parti pris de ne pas imprégner les animaux. C'est-à-dire que ce qui peut mal se passer, c'est une mise bas, par exemple, qui peut être... aidé par la vétérinaire du parc, mais on va être plus dans l'observation et l'accompagnement des animaux plutôt que dans l'action directe sur les naissances, c'est-à-dire qu'on va laisser faire la nature sauvage, on va observer que tout se passe bien et si besoin, vraiment, on interviendra qu'au dernier moment. D'où la vie en semi-liberté ou semi-captivité, c'est selon... Alors en fait, la semi-liberté, c'est notamment sur le territoire des serres où les visiteurs peuvent pénétrer sur le territoire des animaux, c'est-à-dire que les animaux ont environ 35 hectares de superficie, et les visiteurs vont sur le sentier où les animaux peuvent se trouver face à vous, sur la droite, sur la gauche. Et après, le parc présente des grands espaces, c'est-à-dire que, par exemple, chaque meute de loups a environ 1 hectare de superficie. On a un des plus grands enclos d'ours bruns d'Europe, hein, près de 2 hectares de superficie pour 4 animaux. Et au total... Sainte-Croix, c'est 120 hectares de nature. Vous imaginez, un hectare, c'est un terrain de foot. Vous imaginez, 120 fois Marcel Picot. Et sur ces 120 hectares de nature, il y a à peu près un tiers de prairies, un tiers d'étangs et un tiers de forêts. Alors, il y a des nouveautés quasiment chaque année, on va dire. Cette année, quelle est la nouveauté du parc ? Alors, cette année, il y a deux nouveautés, bien évidemment. Il y a une nouvelle espèce qui s'appelle les gibbons à favoris roux, qui intègre le voyage de Néo, qui est une espèce menacée à l'état sauvage, qui vit dans l'Asie du Sud-Est, qui est un formidable ambassadeur de la biodiversité. C'est un couple que nous accueillons, un mâle et une femelle, qui viennent dans le cadre d'un programme européen de conservation et d'élevage. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est de sensibiliser le grand public à la protection de cet animal-là et également de participer à la reproduction pour permettre la sensibilisation dans d'autres parcs animaliers. Et ces deux individus viennent d'un parc en Angleterre. Au sein du parc, il y a beaucoup d'espèces qui sont concernées par ce programme de conservation. Alors, dans le parc de Sainte-Croix, nous avons 10 programmes européens d'élevage, des EEP, et 6 programmes studbook, qui sont au niveau inférieur du programme européen. Et dans les programmes européens d'élevage, nous avons des animaux de faune européenne emblématiques, le bison européen, le vautour, les cistudes, et nous avons des animaux également emblématiques de la faune mondiale, tels que le panda roux, des espèces de lémuriens et les gibbons. C'est incontournable aujourd'hui de s'inscrire dans des programmes de conservation quand on a un parc animalier. C'est même l'essence première, l'ADN premier d'un parc ou d'une structure zoologique en France, c'est de mettre en place des programmes de conservation et de financer des associations qui, elles, sur le terrain, vont... protéger, vont sensibiliser les populations et vont recenser ou mieux protéger les populations sauvages. Donc ces programmes européens, ça permet la sensibilisation du grand public, de mener des expériences, alors pas des expériences, c'est un mauvais terme, de travailler sur l'aspect scientifique également des animaux. Par exemple, on mène des expériences sur nos animaux, alors, ce ne sont pas des expériences, par exemple, quelles sont les odeurs que le lynx va apprécier. On va mener cette expérience à Sainte-Croix et à travers les résultats de cette expérience, on va pouvoir mieux protéger et mieux suivre les populations sauvages. Et après, c'est également la reproduction et si possible, dans certains cas, la réintroduction des animaux à l'état sauvage, notamment dans des réserves, ce qui se fait pour le bison européen. Ça, c'est encore embryonnaire ? Alors non, ça se fait par exemple, la réintroduction du bison dans des grandes réserves en Europe, elle se fait depuis le début des années 90, dans le cadre de programmes européens qui ont été mis en place. Il faut imaginer qu'en 1920, les bisons avaient complètement disparu en Europe des espaces sauvages, et c'est grâce aux parcs animaliers, aux structures zoologiques, avec la reproduction de quelques individus qui ont pu permettre la réintroduction dans des grandes réserves, dans les pays de l'Est, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et maintenant, nous dénombrons plus de 1600 bisons à l'état semi-sauvage en Europe. Un mot sur l'éducation pédagogique, parce que c'est également ce que vous développez dans ce parc animalier, c'est un aspect très important. Alors c'est un aspect qui nous donne la singularité de Sainte-Croix, c'est-à-dire que dès le départ, c'est un parc dédié aux familles et aux enfants. La première année d'exploitation du parc, c'est 11 000 visiteurs, dont 7 000 scolaires. Cette année et les années précédentes, c'est près de 25 000 scolaires chaque année qui viennent découvrir le parc animalier. Les scolaires, c'est vraiment à travers le regard et l'éducation à l'enfant que l'on va pouvoir faire des éco-citoyens de demain. C'est-à-dire que les enfants qui vont découvrir le Sainte-Croix et la faune patrimoniale dans le cadre de leur école vont revenir ensuite visiter le parc. Et c'est ces gens-là qui vont être le plus sensibles à la protection de la cause animale. Il faut le faire assez tôt et donc on le fait par l'intermédiaire des scolaires.
Un mot également sur les hébergements insolites hein, qui font aussi la renommée du parc, avec notamment pour dormir avec les loups. Voilà, il y a des réservations des mois à l'avance, mais après, pour d'autres hébergements, il peut rester des places. Alors, on a créé cette expérience en 2010 pour les 35 ans du parc, avec 4 hébergements au début. C'est un succès exceptionnel. Et depuis, nous avons 18 hébergements. C'est 11 500 personnes qui ont dormi dans le parc, qui viennent de toute la France et des pays étrangers. Vous comprenez cet engouement ? Oui, parce que il y a un retour à la nature, un retour au plaisir simple. Dormir dans un parc animalier, s'endormir au chant des loups, se réveiller au chant des oiseaux, c'est extrêmement simple comme plaisir. Mais ce besoin de retour à la nature, de cette reconnexion à la nature, nous, on le ressent par nos visiteurs et on le ressent sur des courts séjours de nature d'exception. Ça veut dire que vraiment, les hébergements, c'était quelque chose qui existait. Les intégrer dans la nature au cœur d'un parc animalier, ça n'existait pas en 2010. On l'a mis en place et ça a été tout de suite un succès. Et c'est vrai que pour cette année, il reste encore de la place. Beaucoup de gens me disent, oh, il faut des années pour venir dormir à Sainte-Croix. Pour cette année, on peut encore dormir cet été, cet automne, dans des lodges face aux cerfs, dans des cabanes dans les arbres. Et pour 2018, on peut déjà réserver nos hébergements face aux loups, qui sont les hébergements les plus prisés. Oui, ce qui reste évidemment fascinant, s'endormir et se réveiller avec les loups. Merci Clément Leroux d'être venu dans 1h50 le matin. Et puis, bonne saison au parc de Sainte-Croix. Je vous remercie de nous avoir invités.